Bon, coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Voilà, donc on reprend. Donc Sato était en train de m'expliquer qu'il était, il a réussi à aller à la caverne du désert avant moi. Il a réussi à atteindre le niveau 120 de la mine et donc d'avoir une clé qui permettait d'ouvrir la porte de la caverne du désert. Et apparemment, il s'est juste fait démonter la tronche. Ah ouais, non, mais sévère. Hein. Je pensais pas que c'était aussi horrible que ça. Donc en gros, il me dit, je te conseille d'attendre un meilleur équipement. Le problème, c'est que dans ce jeu, les équipements, c'est pas un truc de dingue, quoi. C'est plutôt limité, c'est clair. Et oui, donc en fait... J'avais la meilleure épée du jeu, s'il te plaît. Hein. Ah, mais je sais ce qu'il va falloir faire, Sato. C'est pour ça qu'on a bien fait de tous les deux upgrader la maison. C'est qu'il va falloir prendre de la bouffe qui nous donne des stats. Genre plus 2 en défense, ah, plus 1. Ah ouais, c'est vrai, il y a ça. Je pense que c'est ça qui va nous être utile, là-bas. Ah ouais, je viens de trouver l'épée la plus chère au monde. 25 000 gold, mais alors 55 à 64 de dommages, plus 25 de critical power, plus 3 défense et plus 3 weight. Ah, c'est celle-là que j'ai envie. Je pensais qu'on l'avait à partir du niveau 190, donc c'est à partir du niveau 120. Ah bah c'est pour ça qu'il faut absolument que j'aille à la mine, comme ça je pourrais me l'acheter. Alors, ça veut dire qu'en fait, le jour où tu crèves, par contre, t'as les boules. Hein. Ah bah moi je reset, hein, laisse tomber. Hein. Ah, j'ai eu un bruit. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai eu un peu de loulouloup. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ah oui, c'était pour dire que ma maison s'était agrandie. Oula, oui, ça fait bizarre. T'as vu, ça fait drôle, hein. Ah, du coup, mon coffre, il est pas collé au mur. Ah, ça me stresse. Oui, bah du coup, j'ai changé la place de mon coffre, moi. Ah ouais, mais... Bah, du coup, tu m'attendras pour l'événement, pour la fête, là. Ouais. C'est demain, de toute façon. Bah oui, mais c'est pour ça. Mais oui, mais vu que t'es en avance sur moi, j'ai... Mais il est quelle heure chez toi? Bah, il est 9h du mat. Ah oui, ok. Ce personnage est détestable, et il est... Mais c'est vrai qu'elle est tellement en mode petite merde. Non, mais là, en fait, tu vois, t'as Emily qui s'occupe de toutes les tâches ménagères chez Emily et Hayley. Et là, t'as Hayley qui fait « Eh, il est toujours sous les coussins, c'est ton tour cette semaine !» Alors du coup, Emily, elle essaie de calmer les choses et tout. Elle fait « T'es tellement gamine, Hayley, tu passes toujours ta... » Enfin, je fais toujours la majorité du travail dans cette maison, tu le sais. Alors du coup, moi, j'arrive et puis je... De toute façon, justement, je vais intervenir dans la discussion. Parce que du coup, en fait, tous les 5 niveaux, des fois, tu débloques des armes et des nouveaux équipements à la guilde des aventuriers. Donc comme ça, je m'achète l'arme qui fait mal, là. Ah oui, mais t'es riche, toi, c'est vrai. J'ai 43 000. Et pourtant, j'ai upgradé la maison. Hein. 43 000, mais comment t'as fait? J'ai pas mal pêché, Je sais pas. J'ai pas dépensé le pognon d'un coup en fait, donc j'ai fait petit à petit, donc du coup c'est vrai que j'ai pas mal accumulé. Mais parce que contrairement à toi, c'est vrai que comme je garde pas beaucoup les choses, du coup j'ai réussi à accumuler assez vite. Mais après, tu vois, au niveau des quêtes, des fois j'étais un peu bloqué, donc là je commence à garder au moins un truc de chaque, ou deux. Allez. Oh, le niveau 120, il y a des sortes de serpents autour d'une colonne, c'est flippant. Oui, c'est bizarre, ouais. Ah, mais c'est le dernier niveau de la mine! Mais oui, c'est ce que je te disais. J'ai cru que c'était 190, moi, le niveau de la mine. Non. Ah, d'accord! Ah, bah oui, puisque t'as reçu la clé. Bah oui, je me suis dit, mais c'est bizarre, la clé, normalement, c'est au fond. Ah, d'accord! Ah, bah ok. Bon. Bah voilà, on a fini la mine. Je vais pouvoir ouvrir la caverne et on va se faire défoncer. Comment? Lewis qui vient de faire. Si tu vois Marnie, dis-lui bonjour. Il est tellement à fond, c'est trop drôle. Ouais, j'aime bien. Il est gentil. Mais je pense que t'as fait attention ou pas au portrait de Marnie, du coup? Et t'as vu qu'elle fait quand même vachement jeune. Oh, pas spécialement. Oh, attends, tu plaisantes. Parce que, enfin, au niveau de son image de profil, tu peux... Enfin, au niveau de son image de profil, tu peux pas dire qu'elle fait vieille par rapport à son personnage du jeu. Et parce que moi, je pense que si, en fait, ils gardent leur liaison, liaison secrète, c'est parce qu'il y a une différence d'âge. Mais je trouve pas qu'elle fasse si jeune que ça, hein, moi. Attends, enfin, par rapport au personnage qui fait vieux dans le jeu, sur son icône, il fait une soixantaine d'années, quoi, faut pas déconner non plus. Justement. Ah, le festival a commencé. Ok, bon, alors je vais aller chez Gunther. Ah, mais ça se trouve, ils sont pas là, du coup, si le festival a commencé. Putain, le festival a... Eh oui, ils sont pas là. Donc ça commence à 9h. Donc je vais t'attendre pour y aller. Voilà. Donc là, on est dans la fête. Ah oui, il y a des compétitions et tout. Des sculptures de glace. Et qui c'est qui est en train de construire? Robin. Forcément. Et Léa, d'ailleurs.
Caroline. Alors, comment est-ce que ça va avec l'IDR, hein? Oui, ouais. Avec un grand sourire tout le temps, j'adore ce personnage. C'est marrant, Jodie et Caroline, elles sont ensemble, et c'est elle avec qui j'ai envie d'être copine, tu vois, comme quoi. Hein. Oh, pour une fois que tu pues l'herbe et sympa. Ah, je vais lui mettre un truc un petit peu funky. Tiens. J'ai l'impression qu'il est amoureux d'Emily, Clint. Oui, bah moi aussi. Et bah, quand il m'a demandé sur l'améthyste à lui donner. Là. Ouais, ouais, ouais. Et puis même là, par rapport, vu qu'il est en train de faire le bonhomme de neige avec elle. Ouais. Oh bah, putain, mais Marnie, elle aime bien regarder aux endroits improbables. Elle regarde absolument pas à l'endroit où il y a la fête. Oui, c'est... Dimitrius, il me fait quoi? Il me fait quoi? Pardon. Je veux dire, il me dit quoi? Ah, le lapsus. Dimitrius, il me fait quoi? Non, c'est révélateur ou... Ah bah carrément, oui. Il me dit quoi plutôt, you know? Non, attends, je fais le tour moi d'abord de tout parce que j'ai l'impression que je vais louper un personnage. Si moi aussi, pas... moi aussi, je suis en train de parler. J'ai parlé à tout le monde là. Ah, attends. Linus, t'es où? Marnie, tiens. Ah oui, regarde toute seule. Mais t'as vu, c'est comme à la foire, en mode ouais. Je regarde là où il ne faut pas regarder. Ouais, ça fait... c'est ça. En plus, donc, tu trouves pas qu'elle fait vieille sur son personnage là? Ah si, elle fait super vieille. Hein. Et pourtant, quand tu parles dans son icône, elle fait pas vieille, elle fait pas du tout son visage du personnage dans le jeu. Bah, enfin si. Oh, moi, je suis désolé, là, je trouve qu'elle fait vieille mémère là, avec le ventre et tout. Bon, du coup, j'ai parlé à tout le monde, je vais parler à Lewis. Tu me dis quand... Yes, I'm ready. T'as cliqué sur yes, là? Ouais. Hop, je le fais. Oula, et pourquoi ils ont le droit de commencer et pas nous? Grave. Oula, Merde! Ma canne, elle a bugué. Mon personnage, il a bugué. Comment ça? Bah, en fait, je me retrouve avec une canne à pêche sur la tête et je peux plus bouger. Hein? C'est quoi ce bordel? Merde! Mais... C'est quoi ce bordel? Attends, peut-être que t'es mal placé. Non mais je peux rien faire, et je suis bloqué. Non mais même sans tu peux pas enlever ta canne à pêche. Je peux rien faire. Quand tu fais clic gauche, ça fait quoi? Ça fait rien. Merde. Putain, fais chier. Mais comment ça se fait? C'est dommage que tu filmes pas parce que ça me paraît bizarre ton histoire. Moi je t'ai fait une photo, je t'envoie. Bah je vais recommencer la journée parce que je joue au truc hein. Oh. Bah attends. S'il y a un truc à gagner, tout c'est mort, moi je veux jouer hein. Comment t'as fait ton compte pour te l'accrocher derrière la tête, c'est juste un peu. J'en sais rien, regarde. Putain, ça merde. Le pire c'est que j'ai déjà eu ce bug une fois. Ah mais ah oui, attends, je vais aller voir la photo parce que ça me perturbe. Je la mettrai au montage je pense parce que ça me. Oh la vache, là je pense que je vais me prendre la saucée là. Il se met à faire super sombre dans ma chambre. Ah c'est moi qui ai gagné. Ouais. Mais dis pas ce que tu gagnes. Bah justement, ça se trouve c'est pas intéressant. T'aurais dû attendre. Bah c'est vrai que c'est des beaux cadeaux, mais je m'en fous un petit peu. Mais non, mais je m'en fous. Moi, je veux participer. Bah oui, c'est vrai que c'est rigolo. Ouais. T'as pas entendu l'orage là? Non. Ah mais ça. Arrête de me donner envie. Oh. Hein. Mais je suis sûr que dans pas très longtemps, enfin au bout d'un moment, tu vas me faire « Ah, je l'ai entendu, là !» C'est possible. C'est sûr. Parce que là, à mon avis... Je re-range tous mes légumes et tout, putain. Oh la vache! Je viens de voir un éclair. Cool, t'as trop de chance. Ouais, enfin non, parce que là, je suis en train de jouer, donc non, j'aime pas trop ça. T'entends absolument rien du tout? Non, rien. Putain, mais l'ordi, le son de l'ordi, il protège bien les sons ambiants alors. Hein, parce qu'il pleut à mort, c'est un truc de dingue. Ça résonne sur mon velux et tout, je comprends même pas comment tu fais pour rien entendre. Mais je suis sûr qu'on va entendre dans la vidéo. Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste eu un éclair, je dirais à 300 mètres de chez moi. Oh la vache! Ah ouais, je suis en plein dedans là. Oh, la verse de dingue. Oh, putain! Ah oui, là, j'entends l'orage. T'as rien entendu, là? Ah, si, là, j'ai entendu, là. Ah, ok. Parce que, du coup, avec la... Oh pardon. Ok. Bon, en fait, moi, quand je joue, je suis en face de mon Velux. Donc, je vois un petit peu
tout ce qui se passe dehors. Et je vois les éclairs, les flashs blancs, c'est flippant, voilà. Hein, parce que... Oh ! Pardon. Tu m'entends ou tu m'entends pas là ? Ça devient bizarre. Non mais je suis, en fait, on va dire que je suis un petit peu au centre de la tempête, donc je flippe beaucoup, voilà. Ah oui, ah d'accord, c'est même pas le jeu, en fait, c'était en mode, dans la vraie vie. Je t'emmerde. J'entends pas ce que t'as dit, mais j'ai vu que tu m'imitais, donc je t'emmerde, t'as voilà. Absolument pas entendu, mais comment ça se fait que t'as pas entendu ? Putain, il y a plein de ou dans les... Oh ! Oh putain ! Alors, je suis désolé si vous m'entendez gueuler, mais moi j'entends absolument rien, donc j'ai l'impression qu'on m'entend pas, mais en fait, non, je devrais pas gueuler, mais... Non, moi je t'entends très bien, en plus. Tiens, bah dis-moi où t'en es, toi, d'ailleurs, dans tes stats, là. Tu m'as parlé, je suppose ? Oui ! Dis-moi où t'en es un peu dans tes stats ! Ok ! Allô, papy ? On sent le mec qui est au bout de sa vie, putain, entends-moi ! Alors, niveau 8 en farming, 8 mining, 9 foraging, 9 fishing, 7 combat. Alors moi je suis à 8 farming, 7 mining, 7 foraging, 10 fishing et 7 combat. Allô, tu m'as entendu ? Oui. C'est bien alors. J'ai l'impression d'être un vieux pépé, tu sais. Alors papy. Tu m'entends ? Mets ton dentier. C'est ça. Oh ! Non ! Pardon. Si c'est pété une barre tout seul. Non mais ça va, je me rassure comme je peux, j'ai peur. Ouais. Non. Alors c'est encore plus insultant. Le truc que j'ai utilisé, enfin tu sais le magnet là pour avoir des pour avoir plus de trésors là que j'ai eu au festival, ça m'a servi à quoi ? À ramener un trash. Ouais. Non mais c'est pour ça que je te dis que moi j'ai trouvé ça blasant comme cadeau, parce qu'on sait très bien que les hameçons ils durent pas, donc c'est pour ça que ça m'a... j'ai trouvé ça nul en fait. Remercie. C'est tellement cette flippant. Chance de pouvoir avoir un courage, bien dormir. Ah oh, Sato. Quoi? Ah non merde, je pensais que c'était le mec sur la plage qui nous disait tu ne... le médaillon je sais pas quoi, mais non c'est Gunter qui vient me voir. Ah. Par contre ça fait mal aux yeux là. La neige. La neige. Ouais, au bout d'un moment, ça tue un peu, ouais. C'est le même pixel carré qui fait la même chose tout le temps. Donc à force, enfin le même carré de pixels qui... Donc voilà, à la longue, ça fait bobo. Bon oeil. Ah non, je voudrais aller voir les égouts, moi, par contre. Bah moi, c'est ce que je pensais faire, justement, vu qu'il vient de me donner la clé, tant qu'à faire. Level 10 ! Oui ! En fishing. Allez, les poissons qui coûtent plus. Tiens. Parce que j'ai pas envie de perdre de temps. What ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? J'imagine que t'es encore jamais allé dans les égouts. Non, ah bah non, justement, j'ai hâte de voir, oui. C'est vraiment une vraie zone ou c'est un fake ? Non, c'est une vraie zone. Ah bon ? Oh, j'ai hâte de voir ce qu'il y a alors. Ah non, mais ça fait... Ah, cool, la sortie. Oh. Ah, tu vas pas me donner du bug meat, toi ? Je suis dans les égouts. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le dragon. D'ailleurs, c'est quoi cette... Le dragon ? Mais c'est quoi ce délire avec ce dragon, sérieux ? Bah écoute, c'est tel que je le dis. Alors, par contre, je comprends pas trop... C'est quoi cette bestiole que tu peux pas battre, là ? C'est débile. Il y a un bug meat là, enfin un producteur de bug meat, mais tiens. Oh, encore un ! Crève. Allez ! Casse-toi, sinon cours, casse-toi. Non, c'est bon, il est mort. Je pêche dans les égouts, mais je reçois que des merdes, forcément, je pensais pas. Oh, c'est quoi ce truc ? Ah ! A Human Visitor. Ah oui, j'avais vu ce personnage-là, mais je savais pas où il était. Crobus. Ouais. Mignon. Il est mignon, mais c'est surtout qu'il sert à quoi du coup ? Marchand, offre rare. Ah ! Ah, Stardrop! Alors voilà! Mais c'est pour ça, est-ce que tu as acheté l'arme la plus chère là? À 25 000 gold? J'ai pas assez. Hein. T'as pas assez? Non. Ah, le raccourci, d'accord! Ah oui, ah non, c'est pas mal quand même. Ça, je te le fais pas dire. Quoique, hein. Non, franchement, c'est con en fait, Sato. Ce raccourci, il est con. Meurs!
Le raccourci, il est kiff-kiff. Hein. Par rapport... Si tu veux aller à la plage, Putain, non, mais je c'est comprends kiff-kiff en pas. fait. Parce que il est vachement. C'est tout en bas de la carte. Et après, il faut quand même aller chez toi. Donc en fait, c'est pareil que si tu passais sur le côté. Oh, de l'iridium or, trop bien. Ah oui, c'est là-bas qu'on en trouvera, ouais. Mais t'as... du coup, ça se passe comment? À chaque fois, faut que tu te retapes tous les niveaux? Ou t'as un ascenseur aussi? Sais pas, je suis encore qu'au niveau 2 tellement c'est lent. Ah ouais. Ouais, alors l'égout, excuse-moi, mais c'est pas du tout un raccourci pour moi. Hein. Parce que pour aller à l'égout, il faut descendre tout en bas de la map. Bah non, attends, entre l'égout tout en bas de la map générale de la ville et en plein milieu de la ville, non, c'est bien. Non mais tu sais que c'est quand même pas hyper loin ce truc, il est pas en plein milieu de la ville, hein, la sortie de l'égout. Bah bien sûr que si. Tu rigoles ou quoi? C'est à quelques mètres au niveau de, tu sais, quand t'es la ferme de Marny, on prend ce chemin-là pour rentrer dans la ville, c'est à quelques mètres, hein. C'est pas loin du tout. Ah Donc ouais. c'est pire, tu prends plus de temps avec ce chemin-là, tu verras, fais-le pour délirer, tu verras, c'est plus long. C'est sûr. Je sais parce que je passais souvent par là quand j'allais à la Ah plage. ouais, peut-être, ouais. Non mais c'est même sûr à 100%. Enfin, je trouve ça un peu ridicule quoi. Ça serait vers le community center, je veux bien, c'est vers le centre ou vers le centre du village, mais on est en bas de la carte. Donc du coup, voilà quoi. Il y a Pam, du coup je vais dans le désert. Ah, j'ai peur de paumer ma. Là, si je paume. Remarque, si je paume mon épée, je peux la racheter, mais là, je vais pas la T'avais un racheter. mille Donc. lol quoi. Oui, bah là, si je la rachète, j'ai plus de pognon. Mais c'est vrai que du coup, tu m'as fait peur avec ton dragon là. Enfin, tes trucs là, oui, il faut les battre. Alors, Bah tu verras. ouais, bah ouais. Allez, j'ouvre la porte. J'ai inséré la clé. Ouais, mais j'ai peur maintenant. Ah oui, les bug meat que tu m'as dit, je les vois. Ouais mais j'arrive pas à les tuer moi. Je sais pas si tu Ah mais arrives toi ah bah moi il y mais... a déjà une échelle qui est mise. Ah bah t'as de la Ah mais chance. oui, zéro. T'as vu? C'est bizarre hein? Ah oui, on peut même pas les tuer. Remarque, je suis combien en mining moi? Ah oui, ça y est, je viens de voir le dragon. C'est un truc vert avec des filaments jaunes. Ouais. Un dragon, non mais tu rigoles toi. Un dragon, je m'attendais à un gros truc moi. Non, non, mais je te dis, c'est un tout petit dragon, mais c'est un dragon quand même. Ouais, il m'a touché une seule fois, 24 quand même de dommage. Hein. Ouais, mais là c'est vrai que du coup je comprends absolument pas comment on va faire pour retourner au niveau et tout, c'est bizarre. Il n'y a pas de système d'ascenseur en plus, donc ouais, c'est quand même bizarre. Hein. Ah, une momie, tiens. Bah, pourquoi je peux pas la toucher? Ah, oh! Waouh, j'ai eu une prismatique shard. Ouais, c'est beau, c'est un truc arc-en-ciel, c'est beau. C'est un truc pour Ah, j'ai Gunter. entendu parler dans la bibliothèque avec les livres bizarres là. Ils disent que Ouais. c'est un truc qui vaut extrêmement cher. Bah oui, mais il faut que je donne à Gunter avant, alors bon. Les boules. Je fais gaffe aussi s'il n'y a pas le salamandre volante là. Tiens, C'est un dragon. c'est pas un dragon ton truc. Mon truc, il t'a autant attaqué que moi, hein, je te signale. Quoi, hein? C'est pas mon Bah si, truc. parce que moi je l'appelle pas comme ça. Pour moi c'est une sorte de salamandre volante. Faut que je reprenne le bus, donc je peux pas perdre de temps. Faut absolument que je sorte. Parce que le temps après que je rentre et tout. Bon, le bus c'est pas loin, mais bon quand même quoi. Comment les gens ont pu faire pour passer le niveau 400? Il y a un mode. Il y a eu un mode. C'est pas possible. Je pense, parce que ça me paraît bizarre ton truc. Mais oui, c'est juste impossible. Mais ça veut dire qu'il faut se retaper tout à chaque fois. C'est super chiant. Honnêtement, le jeu nous autoriserait à rester éveillés non-stop du moment qu'on remplit la barre d'énergie, je veux bien. Mais on est obligé de dormir au bout d'un moment. Donc en gros, on ne peut jamais rester dans la mine tout le temps. Donc je trouve ça ridicule. Bah écoutez, voilà, donc la journée se finit pour Sato et moi. Donc du coup, on va quitter la partie, tous les deux. Donc voilà, donc on a découvert un peu le désert. Vous m'avez entendu flipper dans un orage. Voilà, c'était très sympa. Vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule. Voilà, donc bah on se dit à plus tard dans la prochaine session de tournage, quoi. Voilà, bisous! Salut tout le monde.